sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te montrer une petite séance de sport complète au centre Bottegnier et t'expliquer un peu pourquoi je travaille ces groupes musculaires plutôt que d'autres. Allez, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat, c'est Anthony Lessu. Donc ça y est, j'ai réussi tant bien que mal à tourner une vidéo au niveau du sport. Donc je t'ai filmé une séance complète de sport, donc d'environ 3 quarts d'heure. Donc tout simplement, je vais te mettre une petite vidéo pour te montrer les exercices que je pratique et de quelle façon je les pratique. Puis juste après cette vidéo, donc je te retrouve pour tout simplement t'expliquer un peu pourquoi je travaille ce type d'exercice et quel groupe musculaire ça comment s'appelle, ça fait travailler. Donc je te mets la vidéo juste là.
Comme tu l'as vu dans la vidéo, en fait, je commence par travailler, comme je l'appelle, je ne sais pas si c'est le vrai nom, le tirage à main. Je fais 4 séries de 10 répétitions. Donc, le but de cet exercice, c'est tout simplement de travailler en priorité donc le grand pectoraux et le petit pec. Et comment dire? Travailler un peu les biceps et un peu les triceps. Donc, pour cet exercice, j'évite de trop le, comment ça s'appelle, en faire parce que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai d'énormes tensions au niveau du grand pectoral gauche, ce qui fait que ça m'empêche de lever le bras par rapport au bras droit, tu vois. Donc, je le pratique pour muscler un petit peu les pectoraux, mais j'évite de trop faire de séries et de trop mettre de poids. C'est pour ça que je travaille ce tirage avant sur tout simplement une barre qui est fixée par des élastiques. Donc, comme ça, il n'y a pas trop de charge dessus. Ça m'évite de trop développer les pectoraux, quoi, tout simplement. Donc, je travaille la coiffe de rotateur de l'épaule. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est vraiment depuis tout le temps, j'ai envie de te dire, même avant que j'ai la sclérose en plaques. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'épaule. Et depuis que j'ai la sclérose en plaques, ce manque de muscles au niveau de la coiffe des rotateurs s'est accentué. Et du coup, pour reprendre un petit peu de maintien au niveau de l'épaule, pour faciliter les mouvements de l'épaule, la montée, voilà. Je veux dire, je travaille donc les rotateurs de l'épaule. Donc, les rotateurs de l'épaule, en fait, c'est simplement 5 petits muscles. Donc, le fait de travailler ces muscles de la coiffe des rotateurs, donc de l'épaule, ça permet de me simplifier un peu les mouvements, les choses comme ça. Donc, je travaille ça comme je te l'ai montré, donc les rotateurs internes, les rotateurs externes. Je fais le côté gauche et le côté droit. Je fais 4 séries de 10 répétitions. Et donc, ça me tenait à cœur de te montrer une petite vidéo, un petit montage pour bien que tu comprennes qu'est-ce que c'est ces 5 muscles de la coiffe des rotateurs. Donc je te la mets juste là. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a montré un peu le pourquoi du comment de ces muscles de la coiffe des rotateurs. Donc voilà, en gros, c'est ces muscles-là que je travaille. Donc, par la suite, ce que je fais aussi, c'est je travaille, ils ont un appareil de musculation, donc pour faire un tirage haut, hein, comme je te l'ai montré. Donc là, la charge que je mets sur l'appareil. Donc c'est une charge pas très élevée. Donc, je crois que c'est une charge de 10 ou 12 kilos. Et du coup, comment ça s'appelle? Je fais tout simplement 4 séries de 5 répétitions. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez dur. Et par le biais de cet exercice, en fait, on va solliciter donc
les muscles des biceps, les muscles des triceps, et on va solliciter les grands dorsaux. C'est pas trop mal, c'est un peu difficile parce que c'est des muscles que je travaille pas beaucoup, donc c'est pour ça que je les travaille au centre bâtonnier tout simplement. Et donc en fin de vidéo, comme tu l'as vu, je travaille aussi sur le vélo à bras tout simplement pour travailler un peu la partie cardio en fait. Donc là, le vélo à bras, c'est le début, hein, c'est. Donc, je le travaille là pour l'instant à force 1 et pendant 5 minutes. Donc, je me sens à l'aise de plus en plus dessus. Donc, je vais sûrement passer à 10 minutes, puis 15 minutes. Et quand je serai à 15 minutes et que je serai à l'aise, je passerai en force 2 ou force 3 peut-être. Donc, je te ferai peut-être une petite vidéo pour te montrer tout ça par la suite. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura montré un peu ce qu'on est capable de pratiquer au centre bâtonnier. Bon, je pense qu'on est capable de faire bien plus de choses. Mais bon, vu mon état, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, le but, c'est quand même de travailler ces séances de musculation. Moi, en l'occurrence, c'est donc 3 fois dans la semaine, une fois lundi, une fois le jeudi, une fois le vendredi. Donc, j'essaye de tenir le rythme. C'est difficile, mais c'est fatigant, c'est plein de courbatures en perspective, mais au moins en fin de semaine, je sens que je suis vivant. Ça me motive pour la suite. Et je vois bien quand même que je reprends du poil de la bête niveau musculaire. Donc j'ai envie de te dire, c'est super quoi. Et comme je l'ai dit la dernière fois, dans le bilan du mois de février, franchement, je récupère vachement mieux de ces séances quoi. Et je trouve que je tire plus de bénéfices que l'année dernière du fait d'avoir moins de fatigue due à ces exercices. Donc voilà pour cette petite vidéo sur une séance de sport au centre bâtonnier. Donc je te remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'elle t'a plu. Et surtout, n'hésite pas, comme je te dis d'habitude, à t'abonner, à commenter et à mettre des likes pour faire bouger la vidéo. Donc, je te dis à bientôt. Je te dis ciao. Allez, ciao!